Bon, bonjour, bonsoir. Ce que je vais discuter un peu de tout et de rien. Aujourd'hui, c'est de la discussion de tout. Hein? La discussion de tout. Pour la discussion de tout, c'est tout simplement de dire que les gens aiment parler de tout. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de tout, comme l'électroménager. L'électroménager, c'est quelque chose de très utile, mais il faut faire attention, il y a des produits qui se croivent, qui font tout, et en fin de compte, ils font rien du tout. On ne fera rien. Il y a des produits qui ont une marque, et que cette marque-là, ben, en fin de compte, elle est moins chère, parce que c'est un produit qui n'est pas cher. Le problème de tous les gens actuels, c'est les finances. Moi, ce que je voudrais vous dire en gros, c'est tout simplement, soyez prudents ce que vous achetez. C'est pour ça que je veux parler un peu de tout, parce que tout le monde passe par là. Hein. Tout le monde a besoin de dire ce qu'a envie de faire. Donc, un conseil, entre guillemets, franchement, achetez des produits qui est vraiment le nécessaire pour vous dans l'électroménager, comme les autres produits, comme high-tech, etc. Car les produits, c'est pas quand même des choses qui veut dire que quand on achète, c'est pas pour un mois, c'est pour au moins durer au moins un petit moment, comme des produits qui peuvent être garantis 5 ans, garantie 3 ans, et fin de compte, c'est pas si terrible que ça. Donc, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est tout simplement aux personnes qui regardent mes vidéos, c'est tout simplement de faire attention à ce que vous achetez. Par exemple, vous prenez un robot qui coûte une trentaine d'euros, vous faites au service que vous avez besoin avec et ça tombe en panne. On vous l'échange. Pourquoi avoir le même produit? Voilà, moi ce que je vous conseille, franchement, c'est de faire attention financièrement. Et en même temps, si vous voulez que ça dure longtemps vos produits, un conseil, achetez au moins la qualité, qui est plus simple et plus pratique. Il y a des produits qui coûtent très très cher, ben, c'est tout simple, on va dans une fourchette de gamme assez au moins importante financièrement. Ce qui veut dire, on ne va pas aller dans les premiers prix, parce que le premier prix ça ne sert à rien, c'est de la stupidité totale, qui est fortement déconseillée, car quand le produit est en panne, il est en panne. On vous les répare pas, on va vous les changer. Donc après vous dites, bah, en fin de compte, j'en prends un autre parce que ils m'ont conseillé ça. Moi, je peux vous certifier que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous achetez un produit tout neuf qui vaut 700 euros, tombe en panne, on ne va pas vous l'échanger comme ça, on va regarder ce qu'il a. Après, ça dépend le produit aussi, si c'est une télévision qui tombe en panne à 700 euros, vous savez, c'est quand même une assez jolie coquette somme pour acheter un petit téléviseur. Donc, après, c'est qu'on sente la taille. Donc, si vous prenez un 700 euros pour 1m59, c'est qu'il y a une petite interrogation. Donc, voilà. Il ne faut pas prendre des marques surplus, des marques qui ne vaut rien, qui est un peu... croire que c'est bon produit en fin de compte, c'est pas ça. Donc vous savez, quand c'est important, quand on achète quelque chose, on fait quelque chose de bien, de magnifique et de extraordinaire.
Et donc, c'est pour ça, que moi, je dis franchement à tout le monde qui achète ces produits de faire au moins une possibilité de faire un très, très, très grand économie financièrement en achat, qui veut dire tout simplement, vous achetez le produit, dure longtemps, vous êtes au moins sûr que votre produit est encore chez vous. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, le plus grand conseil, faites un très bon achat. Achetez un produit que vous sentez bien à l'aise avec. Si vous prenez un produit qui ne va pas durer longtemps, c'est pas fortement un conseil de prendre. Je vous conseille juste d'aller dans les moyens assez importants à vous, tout simplement de voir ce qui vous plaît financièrement, techniquement, et au moins sera au moins pendant 4 ans, 5 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.